famille disparaître. Il est né en 1803 et mort en 1896. Le second, Timothée Lévision, est né en 1975 et a disparu, on ne sait pas comment, en 2006. Jacques Serre, quant à lui, est né en 1923 et mort en 1999. Et le dernier, Yvon Avonner, est né en 1904 et mort en 1981. Alors, je vous présente un personnage assez extraordinaire qui s'appelle David Disparaître. Il est extraordinaire parce qu'il est capable de faire apparaître et disparaître les choses. En fait, c'était quelqu'un de très farceur. Il s'amusait à faire disparaître et apparaître les vélos et les vêtements des passants. Ou alors à faire apparaître des pots de cabane ou pire encore, des trous devant eux. Mais il fut emprisonné le jour où il fit disparaître la deuxième tour Eiffel. Et oui, vous ne saviez pas en fait qu'il y avait deux tours Eiffel. Pourquoi vous ne le saviez pas? Et parce qu'il en avait fait disparaître une. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne reste plus une seule tour Eiffel. Jacques Serre, je suis sûre que vous voyez qui c'est.
À votre avis, de quoi est-il capable, j'accélère? D'accélérer. Eh bien, j'accélère, en effet, avec non seulement les capacités d'accélérer les choses, mais aussi de les faire ralentir. Et en fait, il était très aimé des enfants. Il est possible que vous ayez déjà entendu parler de lui. Car, régulièrement, il leur ralentissait les récréations pour qu'elles durent encore plus longtemps et accélérait les heures de classe pour qu'elles durent beaucoup moins longtemps. Il était souvent invité aux cérémonies de César, des Molières, des musiques classiques pour les accélérer et les rendre encore plus intéressantes. Qui s'appelle Yvon à l'envers, lui aussi était doué de pouvoirs extraordinaires. Il était capable, en effet, d'inverser le temps et donc de faire revenir les choses en arrière. Son fait d'armes le plus connu fut le jour de la finale de foot France-Italie où il fit ressortir tous les ballons qui rentraient dans nos buts et permit donc à la France de gagner. Extraordinaire, non? Oui.